Salut à tous, c'est Altosan, on se retrouve pour une... Salut à tous, c'est Altosan. Salut tout le monde, c'est Altosan. Salut à tous, c'est Altosan, et après un mois et demi d'absence, on se retrouve pour le deuxième épisode de la Mangaka Story. Salut à tous, c'est Altosan, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme t'as pu le voir au titre, je vais te montrer comment devenir mangaka. Salut à tous, c'est Altosan, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la Mangaka Story numéro 3, qui parlera, comme t'as bien pu le voir au titre, de Tony Valence. À chaque coup de barbe blanche me donnait une joie extrême et voir Ichiro Oda arrive-t-il à me faire bander devant sa mère. On est les vacances, donc là je me fais un petit coup d'autopub. Et oui, ne t'attache pas trop à des personnages car sinon ça va faire comme dans la tête du tampon. Et il meurt et que... Sais-tu ce que c'est qu'une maison d'édition? Demandons ça au bon vieux Alto-sama. Bonjour Legend. Le personnage stylé de la série Hunter x Hunter, et là tu le vois battre contre Gon. J'ai été servi en surdose. C'est sans pitié le bordel, c'est impitoyable. Quand il te déchique une tête, tu te crois en plein cours d'SVT sur le crâne humain en 5ème. Au moment où je suis en train de te parler, je ne connais pas vos retours de train, gars. Et comme je suis un petit enfoiré au montage, je vais sûrement me couper dans ma phrase pour lancer la chanson Alléluia. Si quelqu'un a le malheur de spoil la fin de One Piece en avance, attendez, regardons ensemble les raisons valables pour la peine de mort au Japon. Je tiens à remercier infiniment ceux qui sont présents à chacune de mes vidéos, qui commentent, qui likent, qui impriment la miniature et la colle dans leur chambre, renomment leur chaîne Altosan Fan, et qui me donnent chaque jour plus de 1000€ sur Tipeee. Non, je vais pas dire ça à moi. Oui, bonjour monsieur Altosan. Tenez votre colis matinal, un petit Ikigami fraîchement sorti de l'imprimante. On est lundi 9h et demain 9h, vous ne serez plus de ce monde. Le nom pudding, ça fait gentil, ça fait mignon. C'est pas du tout le genre de personne à faire croire à Sanji qu'elle va l'épouser pour ensuite lui dire que c'est faux. Et qu'elle va en plus tuer sa famille. Arrête de me prendre pour un con aussi. Je taille, tu te fous ma gueule là. Mais l'orage, en quoi ça a rapport avec le vent? Espèce de bête, va. Et triple malaise, coma éthylique, ainsi que mort réanimée grâce à mon aide et vrai ça ont été le résultat de ce rattrapage intensif. Et donc dans ma tête, le matin c'était. On l'a dit, toi que ça sort de la tête de gamin de 10 ans, ça passe de robot géant, épidémie, pistolet laser. Dans les murs de chez toi, je t'incite à te faire défoncer soit par le proprio, soit par tes parents. Partout. Bien sûr, je déconne, sur une feuille ça suffit, mais ça faisait beaucoup moins stylé. Déjà, oublions le fait que dès le titre, ça se voit que l'objectivité a été jetée à la poubelle et que la poubelle elle-même a été jetée par la fenêtre à coup de 4 tonnes boules de feu suprême. Tout commence en 2019, donc dans le futur. Le futur n'existe pas. Yo les gars, c'est Altosan. J'espère que déjà la petite vidéo souvenir entre guillemets des 1000 abonnés vous a plu. Comme moi en la faisant, ça m'a rappelé un maximum de souvenirs. On va passer directement à la grande annonce que j'ai à vous faire. Une annonce qui sera un petit peu triste entre guillemets. Parce que en gros, pendant un mois et demi, je pourrais pas faire de vidéo. Je pense que vous êtes pas sans le savoir. Bah, pour certains, cette période d'été évoque chez eux les vacances. Mais pour d'autres, c'est les épreuves du lycée, etc. Bref, je suis un lycéen. Et donc vous savez très bien que là en ce moment, bah, c'est les épreuves qui me touchent en plein fouet. Et donc avec ce rythme de devoirs, d'évaluation et même de préparation des épreuves, bah, en gros je pourrais pas faire de vidéo les gars pendant limite un mois et demi. Donc voilà, c'est aussi une raison pour laquelle depuis le début d'année je m'efforce à tenir un rythme de soit une vidéo par semaine, soit une vidéo toutes les deux semaines. C'est parce que je savais que ce moment allait arriver et que je voulais qu'il y ait un maximum de vidéos sur la chaîne pour les nouveaux abonnés ou même pour les anciens. Pour ceux qui me suivent depuis le début et qui aimeraient de temps en temps se retaper une de mes vidéos. J'espère que vous comprendrez mon choix et je pense que vous comprendrez mon choix parce que voilà, à un moment c'est les études et franchement j'aurais pas voulu prendre le risque de faire des vidéos en emploi du temps surchargé, ce qui de une donnera des vidéos de merde, on va pas se mentir, et de deux j'ai perdu du temps de révision. Et donc voilà, je pense que c'est le meilleur choix à faire. Ça durera que un mois et demi, ne vous inquiétez pas, ça va passer vraiment 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 très très vite. N'hésitez surtout pas à me suivre sur Twitter, c'est là que je donnerai un maximum d'informations. Voilà, on va se taper des parts, etc. Le lien est dans la description et c'est là aussi que j'annoncerai le jour de mon retour, etc. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont sur YouTube, je vous préviendrai avant de lâcher une vidéo. Ne vous inquiétez surtout pas, pendant ces un mois et demi, moi ça va pas m'empêcher d'écrire des vidéos, de penser à des nouvelles séries. Déjà que j'en ai plein, mais alors là je vais en avoir un grand 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 paquet. Et je peux vous dire que ça va être du lourd et que ça va vraiment péter. Et donc oui, ça va de soi, dès que je reviendrai genre vers le mi-juin, ça va pas du tout être un rythme de une vidéo toutes les deux semaines. Là ça va être du une vidéo toutes les semaines, voire deux vidéos toutes les semaines. Donc voilà, moi c'est bon, j'ai tout dit. N'hésitez surtout pas à me suivre sur Twitter. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle t'a plu, parce que c'est quand même de grands dossiers ce que je vous ai montré au début de la vidéo. Voilà, parlez autour de vous. Si t'as des potes branchés par le manga, n'hésite pas à leur parler de la chaîne, peut-être qu'elle pourra leur plaire. Et donc nous on se dit à plus pour une prochaine vidéo qui sera très très sombre. Oui, elle sera sombre. Très 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 sombre. Méga sombre. C'est Altosan.